Je vous retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes jeudi 4 mars. Nous allons... Ah, petit clin d'œil à l'un de mes abonnés, garçon d'ailleurs, à Leclerc et non chez Leclerc. Manifeste-toi dans les commentaires si tu as vu. Pour notamment des brosses nettoyantes interdentaires, parce que là c'est plus possible. J'ai tout fait. Donc bicarbonate, citron. J'ai monté l'escalier, c'est pour ça que je suis essoufflée. Cardio. Et rien n'y fait, j'ai mes taches avec le sirop là, à base de fer. Ça ne part pas, à part utiliser une ponceuse, on va éviter. Donc, Leclerc, au retour, je vous montre s'il y a des choses à vous montrer. Ce soir, 17h30, eh bien, radio panoramique dentaire. Je pensais qu'on verrait juste l'alignement de tes dents, si tes dents de sagesse poussent de travers, tout ça. Mais on ne voit pas que ça. On voit également s'il y a des kystes, s'il y a des abcès, s'il y a des caries, on voit tout. Donc je pense que le radiologue fera l'interprétation. Et ça me fait penser que il faut que j'appelle, que j'anticipe, que j'appelle le dentiste. C'est-à-dire que si ce soir j'ai l'ordonnance, il faudrait demain que j'aille lui montrer et qu'on voit s'il y a une intervention. Ça serait pas mal. Et il y a autre chose cet après-midi. Oui, j'ai un tournage cet après-midi, tout ça. Est-ce que je vais mieux? Bien très clairement, je le sens dans mon corps que ça commence à remonter. Mais, voilà. Donc j'y vais, je crois qu'Eric m'attend. Bon, bah on est rentré, hein, je vous montre. C'est vraiment la super heure, hein. Entre midi, midi 30, t'as quasiment personne. Je commence par ça. Donc j'ai trouvé les brossettes interdentaires. J'ai pris les beaux, les plus fines, 0,6 mm. Ça va jusqu'à 1,4, je crois. Bon, je pense pas que ça détache, mais en tout cas, ça va être du soin. Hein. C'est très très bien pour nettoyer. J'ai repris ça, donc qui est-ce? Ils sont bien, ils occultent bien. C'est réglable, donc parfait. Parce que j'ai quand même pas mal de lumière qui passe et moi, j'ai le sommeil un peu léger. Rappelez-vous, je vous avais parlé, donc j'avais pris le marron et j'avais flashé sur un vert que je trouvais très beau. Bah le voilà, il est beau, hein. Je vais me le tenter demain matin. Je me le ferai et je vous montrerai, évidemment. Pour ce qui est de la blancheur, de détartrage, bah écoute, détartrage, détachage, je connais pas du tout. Love Beauty and Planet, donc c'est vegan, 98% d'origine naturelle, blancheur, détox et surtout élimine les taches. Bon, bah on va voir. Ah oui, c'est au charbon, donc je vais essayer. Et en plus, fleur d'oranger, très bien. Du ketchup, ça fait une éternité, c'est Eric qui a dû prendre ça. Le rôti, j'étais déjà à la caisse et je vois la cliente juste avant qui avait acheté ça, donc forcément avec du chef, j'ai dit, ouh là, vous l'avez où? J'ai couru, et je l'ai pris, un rôti de poulet mariné avec du fromage de chèvre. Ça va être grosse régalade, ça. Ensuite, alors, il a pris, Eric, des lentilles, il a dit, maintenant, j'achète que du local. Bon, voilà, on couvre des lentilles. Moi, je me suis pris ça pour un midi. Mes kiwis, parce que bah, j'en prends facile deux par jour, ça va très vite. Alors ça, bon, ok, mais oh là là, c'est des mini muffins fondant cœur chocolat, genre noisette. Ça a l'air très très bon quand même. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de frais, j'aime bien. Petite coupelle de pêche. Ah, je croyais que c'était mangue. Oh, ça, j'ai foutu. Bon, tant pis, mais il me semblait que j'avais pris mangue. Ok. Nougati, on passe. Qu'est-ce que... Oh, regarde. Noix de cajou caramélisée au miel. Je connais pas, mais ça m'a donné envie. Un point. Ouf. Celle-ci, on va pas en donner bonne conscience, hein, 50% de matière grasse en moins. Celles-ci que je connais qui sont très bonnes. Bon, elles sont des, mais elles sont tellement bonnes, croustillantes de légumes. Ah, si. Évidemment, j'ai pris ça, regardez. Ah, donc c'est goût vanille, amande. Je vais le mettre au frais tout de suite, ça me donne bien envie. Ah, et puis surtout, j'allais oublier, regardez. On a racheté donc passoire, tout ce qu'il y a de plus normal en inox, ça coûte 7 euros. Parce que figurez-vous que celle que j'avais achetée qui était jaune, qui avait de la peinture jaune, donc en motif que j'avais eu chez Jiffy, et bah toute la peinture partait. Regardez-moi ça. Et la dernière fois quand j'ai goûté, bah, j'ai trouvé des particules vertes, donc on va éviter. Hein. 4 heures et j'ai des nouvelles. J'ai eu l'assistante dentaire qui m'a dit que je pouvais passer demain entre 9h15 et midi. Je suis contente, je suis soulagée et à la fois je suis terrifiée parce que c'est vraiment une de mes plus grosses phobies. Très clairement, comme je vous disais la dernière fois, quand j'étais petite et que j'allais chez le dentiste, j'ouvrais pas la bouche. Enfin, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment flipper, mais je sais, hein, je vais y aller. Je vais le faire, je vais prendre sur moi, j'ai pas le choix, mais voilà. Je préférais vous dire les choses. J'ai dit à Eric, il me fait
t'inquiète pas, je vais t'emmener demain et tout. Donc je pense qu'on ira faire le sport avant. Là, je voulais aller, mais il est 4h, vu que je dois aller faire ma radio à 5h30, il faut que j'y sois un quart d'heure avant, c'est ce qu'ils te mettent. Ça va être juste, mais je dois aller dans un magasin de bricolage pour trouver en fait du papier. Alors ça sera pas le papier peint, hein, du rouleau papier blanc pour après pouvoir faire comme un spot, un set de photos pour que je puisse faire des belles photos. Moi, je vous montrerai de toute façon, vous comprendrez. Bah, j'irai pas aujourd'hui, peut-être demain, quoique je sais dans quel état je serai. C'est l'heure de mon petit chocolat chaud. Bon, voilà, j'ai enlevé tout ce qui était métallique, donc j'avais rien. 19h41, j'étais persuadée de vous avoir pris à la sortie du cabinet d'imagerie, radiologie, et pas du tout, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai ma radio, mais quand elle me l'a tendue, je lui ai dit, mais il n'y a pas un médecin qui vient pour l'interprétation, c'est la relou. Elle me fait, non, ce sera votre dentiste qui s'occupera de ça. Oh, ok, très bien, il va falloir attendre. Qui suis pas patiente. On attendra demain, c'est pas grave. C'est hyper rapide, hein, cette radio en fait des dents. Voilà, tu viens mordre dans un truc, hop, avec le cal, et puis bah d'un patient à l'autre. Et heureusement, il te change quoi. C'est un petit silicone. Demain. Sinon, cette chose là, j'ai goûté. C'est très bon, c'est trop bon en fait, c'est gourmand, c'est ouh là 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 là, Eric, je lui en ai donné, il commençait à tout bouffer, je fais non, on arrête, sous scellé. C'est dangereux hein, ce genre de choses. Donc là je vais à 19h40, tu m'étonnes, je vais faire chauffer. Ah oui, et je vous ai pas dit, j'ai essayé les petites bandelettes là interdentaires, donc c'est très très bien, mais ça ne détache pas. Et j'ai essayé également le dentifrice à base de charbon, c'est très bien, mais ça ne détache pas non plus. Donc demain, bah, je vais montrer et je vais demander au dentiste quel est le mieux. Alors j'ai hésité à Leclerc, il y avait également au même rayon de l'oxygéné en 10 volumes, donc le plus faible. Et je sais que ça marche hyper bien pour l'avoir déjà testé, mais vu que j'ai quand même des petits problèmes en ce moment dentaire, je préfère demander, c'est trop risqué. Je ne voudrais pas inflammer un truc ou quoi, ou abîmer les gencives, mais c'est vrai que ça fonctionne. Attends, j'espère vraiment qu'il veut. Ah, j'en sais rien en fait. Je sais pas si j'ai hâte ou pas. Ça commence à monter le stress en fait. On y va maintenant ? Comment ? On part ? Non, je ne veux pas y aller. Si, allez. Bon. Non. On est le lendemain, vous l'aurez compris. On a fait notre sport ce matin tôt. Et ben, je peux vous dire que ça caillait bien. Heureusement qu'il y avait les gants, le bonnet. Mais c'est vrai qu'au final, au début, le matin, je râle, je dis, oh non, je vais y aller, puis après, je suis contente. Oui, on y va. J'ai pas envie d'y aller. Je voulais vous dire autre chose. Ouais, bah du coup, je pense que ça sert à rien, je vais arrêter maintenant. Et puis, je vous reprends demain. Enfin, j'enchaîne sur ce vlog. Hein, je pense. Bon, je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain. Tiens, ce vlog aurait été court, je crois. Bisous.